Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Donc je passe au tutoriel numéro 41. Et ce tuto numéro 41, c'est un tuto de démonstration pour vous mettre en bouche en fait, en quelque sorte, pour un peu expliquer ce qui va se passer avec le tutoriel numéro 42 côté animation. Et donc là voilà, j'ai donc installé le train d'atterrissage du Concorde, donc le train avant, après l'avoir modélisé. Donc pour ceux qui suivent et qui modélisent en même temps que moi, normalement, voilà, vous allez avoir donc les détails de ce que vous allez faire donc prochainement avec le tutoriel numéro 42 et 43, puisque là, voilà, donc dans l'animation, ici, on va regarder ce qui se passe, hein. Donc là, j'ai découpé, voilà, j'ai découpé le... Voilà, je vais enclencher l'animation, je vais me mettre ça un peu plus près, comme ça qu'on voit bien. Voilà, donc on voit la découpe là, hein. Et le train d'atterrissage, donc de la merde, la façon dont il rentre. Donc dans le prochain tuto, on découpe ici. Donc on voit cette plaque qui est fixée. Alors là, il faut que je la règle, hein. J'ai pas encore bien réglé le truc, mais bon, c'est juste un tuto de démo, hein. Et donc j'ai fait ça assez rapidement. Pour faire ça, j'ai donc ici, en ce qui concerne les ouvertures, créer des clés de forme, hein. Donc par exemple ici, voilà, si je prends ça, là j'ai une clé de forme, les clés de forme que j'ai auxquelles j'ai rajouté des ici donc des clés, hein, pour pouvoir donc animer. Voilà, donc là ici on a cette ouverture là, hein, aussi, à laquelle j'ai rajouté également une clé de forme que là, faut que je les sélectionne bien. Donc la soute ici est en la soute du train d'atterrissage est en trois parties, on va dire. Ici deux volets qui s'ouvrent, ici deux volets qui s'ouvrent donc de manière différente, puisque quand l'appareil est au sol, ces soutes là sont fermées. Donc ces soutes là elles s'ouvrent quand l'avion décolle ou quand le train d'atterrissage sort ou rentre, hein. Voilà. Alors que les autres, voilà, on voit qu'elle se ferme en vol. Et la plaque qu'il y a ici, donc il faut que je remette comme il faut, vient fermer une ouverture. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc grosso dans l'animation, voilà où j'en suis. Donc on va donc découper l'appareil dans le prochain tuto. Découper la carlingue. Et puis installer le train d'atterrissage. Une fois qu'on l'aura installé avec le tuto donc numéro 43, voilà, je vais enclencher l'animation. Avec le tuto numéro 43, on fera l'animation. On verra la partie de l'animation. Donc là, j'ai bah, tout. Si je sélectionne l'appareil, hein, voilà. Pas celui-là d'ailleurs. Non, je me plante. C'est pas ça. J'ai également donc tout créé, tous les liens de parentrée sur un autre fichier Blender, hein. On verra plus tard, voilà. Donc grosso modo, bah si je vais le faire voir le principe, le principe comment fonctionne l'appareil quand il décolle et qu'il atterrit, on va regarder ça tout de suite. Voilà, on va voir comment l'appareil déjà j'ai tout donc créer tous les liens de parenté. Donc si je sélectionne la carlingue, j'ai l'appareil, lui, toutes les pièces sont accolées à l'appareil. En ce qui concerne la procédure, la façon dont l'appareil, on va voir ça doucement. Donc là j'ai fait décoller en fait, mais sur place. Alors voilà, donc là par exemple il est sur le tarmac et bon, on imagine qu'il roule, il roule, il roule, il roule. Donc là il commence à lever le nez, le train d'atterrissage avant donc rentre, puis le train d'atterrissage à l'issoute arrière se ferme. Ensuite l'appareil monte et on voit bien ici donc le nez et la verrière qui vont se redresser, qui vont se fermer, voilà. Donc la verrière là, voilà, on la voit, hein. La verrière va se fermer, l'appareil lui se remet, prend sa vitesse de croisière en se redressant, donc arrivé à la bonne altitude de vol. Voilà comment ça fonctionne grosso. Donc voilà ce qu'on s'apprête à faire dans l'animation pour ce qui concernera, ce qui va concerner, pardon,
l'atterrissage, le décollage, etc. de l'appareil quand on va faire cette animation. Donc là, pour zoomer un petit peu, hein, oui, j'ai dû vous faire voir précédemment. Voilà, donc les deux volets. Hein. Bon, là, j'ai encore quelques petites mises au point à faire, mais donc pour le prochain tuto, le tutoriel donc numéro 41, 42, pardon, on va mettre tout ça bien en place comme il faut. Je vous donnerai tous les tenants et les aboutissants. Voilà donc pour ce qui est des explications des futurs tutos qu'on va faire. Donc, il ne nous restera plus qu'à modéliser ici. Alors, ici, il nous restera à modéliser donc le train arrière, puisque là, il n'y a pas la partie... et j'ai mis que les roues. Hein. Également, on offrira une correction sur ici la dérive, puisque on a les cerveaux ici qui sont décalés. Hein. D'un côté, il y en a un qui est plus bas que l'autre. Donc ça serait, bon, je vais corriger ça. Et puis donc l'animation finale, et on aura fini complètement cet appareil. Modélisation et donc animation des divers éléments extérieurs de l'appareil. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis bon courage pour la suite.